أشهد أن لا إله إلا الله Ceux qui dépensent leurs biens en aumône nuit et jour secrètement et publiquement auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils ne seront ni dans la crainte ni ne seront-ils affligés. Par la grâce d'Allah, en accord à cette instruction divine, les membres de la Jamaat Ahmadiyya participent avec engouement dans les sacrifices financiers. Il existe différents fonds de cotisation au sein de la Jamaat. Il y a les cotisations obligatoires à l'instar de la Chenda Am et de la Chenda Wasia. Ensuite, il y a les fonds Tahrik Jadid et Wokfi Jadid. Partout là où la nécessité se fait sentir, les membres de la Jamaat Ahmadiyya participent à foison dans les sacrifices financiers, et ce avec sincérité et dévouement. Ils le font en secret et ouvertement. Ils consentent à ces sacrifices en secret et ouvertement sans crainte de subir des difficultés financières. À une époque où les gens se vouent corps et âme au plaisir de ce monde et à la quête des richesses matérielles, ce sont les Ahmadis qui participent pleinement dans les sacrifices financiers et qui font montre de leur joie à cet égard. Il existe certains qui le font en secret et qui souhaitent que leur sacrifice demeure secret. La majorité des membres de la Jamaat Ahmadiyya sont de revenus modestes et font partie de la classe moyenne. Mais comme je l'ai dit, il existe des personnes consentant à des sacrifices extraordinaires et qui ne se sont jamais plaints, même indirectement, que jematah Ahmadiyya a mis en place tous ces fonds et que leurs revenus sont limités et d'où ils puiseront pour y contribuer. Au contraire, ils participent à ces sacrifices avec passion. Je suis au courant que certains consentent à de grands sacrifices, voire l'on doit dire qu'ils sacrifient leurs besoins vitaux et réduisent leur alimentation et ils réduisent les dépenses de leurs enfants pour consentir à ces sacrifices. Et ces gens ne se sont jamais dit ou n'ont jamais exprimé qu'ils ont déjà tant sacrifié et pourquoi on leur impose d'autres fardeaux. Ils n'ont jamais dit que nous sommes aussi dans le besoin. Étant donné que nous sommes dans le besoin, la jamaat doit nous aider. Jamais ils ne font étalage des faveurs accordées. S'ils sont dans le besoin, ils expriment leurs besoins avec une grande hésitation et humilité. Et d'ailleurs pour contracter un prêt. Certains ont adopté d'autres moyens pour consentir à des sacrifices. Ils ont une tiers lire dans laquelle ils placent de l'argent tous les ans ou chaque fois qu'ils ont un revenu et ils économisent cette somme jusqu'à la fin de l'année. Lorsque Maud, Muslim avait lancé le fonds Tahrik Jadid, il avait recommandé aux membres de vivre dans la frugalité, c'est-à-dire de mener une vie simple. Et il avait dit, Menez une vie simple pour économiser votre argent et pour ainsi cotiser en conséquence. Et suite à son appel, il y a eu ceux qui ont mené une vie des plus simples à des plus modestes pour contribuer de grandes sommes. En apparence, ils n'avaient pas les moyens de faire de si grandes contributions. Cependant, ils ont offert des milliers de dollars, des milliers de livres sterling ou des milliers d'euros. Consentir à de si grands sacrifices en vivant dans ces pays ou dans ce monde est si épris du matérialisme est une chose grandiose. Et quant aux pays pauvres, l'Inde, le Pakistan ou les pays africains, là-bas, les Ahmadis ont des revenus très modestes et les gens arrivent à joindre les deux bouts au prix de grandes difficultés. Or, les Ahmadis là-bas ne cessent de consentir à des sacrifices et contribuent pour mériter le plaisir d'Allah. Ils le font en secret et ouvertement. Tout comme le Messie promet à' l'a dit dans un endroit, ils sont absorbés par cette réflexion nuit et jour quand le bien-aimé sera-t-il satisfait d'eux. Ce sont là les véritables croyants qui cherchent la satisfaction de Dieu. Certains individus se précipitent pour contribuer dans des fonds suite à des appels ou suite à l'annonce pour le tahrik jadid et le wakfi jadid, même en empruntant de l'argent, tandis qu'il n'est pas nécessaire d'emprunter de l'argent. Ils n'ont aucune crainte car ils savent que c'est une dépense dans la voie de Dieu et que Dieu lui-même comblera leurs besoins. Ainsi donc, la Jamaat Ahmadiyya a reçu de la part de Dieu le Tout-Puissant des personnes qui consentent à de très grands sacrifices. Contrairement aux autres musulmans, ils ne donnent pas 5 ou 10 roupies pour ensuite faire des annonces à la mosquée des centaines de fois. J'ai connu de nombreux cas où des personnes se sont présentées pour faire des dons importants. Cela concerne des pays africains, des pays européens, des pays de l'Asie. Les pauvres font des sacrifices très importants. Bien qu'en apparence, leurs dons sont de faible valeur financière, ils sont considérés par Allah le Tout-Puissant comme des sacrifices de grande valeur. Ce sont ceux à propos desquels le saint prophète Muhammad Sallallahu avait dit qu'un dirham l'a emporté sur mille dirhams ou cent mille dirhams. Cet esprit existe également chez les habitants des pays pauvres et lointains. En faisant des sacrifices financiers, ils obtiennent non seulement l'agrément d'Allah, mais Allah les protège également de toute peur et Allah lui-même comble leurs besoins. Voici un exemple qu'a cité l'émir Zaheb de la Tanzanie. Il déclare qu'il y a un nouveau adepte, M. Abdullah, qui a déclaré Je vois deux avantages à faire des dons. Premièrement, mes revenus ont augmenté depuis que j'ai commencé à faire des dons. Deuxièmement, chaque fois que je fais des affaires, je gère un magasin, et bien toutes les marchandises de mon magasin se vendent rapidement et mon magasin se vide rapidement. Par conséquent, je dois apporter de nouveaux produits et cela m'apporte des bénéfices. De plus, je crois que tout cela est le résultat des sacrifices financiers dans la voie de là. Monsieur Zadanov du Kazakhstan contribue toujours avec beaucoup d'enthousiasme dans les fonds financiers de la Jamaat. Cet ancien militaire à la retraite reçoit une pension, mais dès qu'il l'encaisse, il se rend au centre de la Djemad pour faire un don. Il affirme qu'Allah lui a accordé beaucoup de bénédictions grâce à ses contributions financières et qu'Allah lui a permis d'accomplir même les tâches inachevées. Ceci est l'exemple de sa foi. Il a déclaré qu'il avait commencé à construire un immeuble commercial qui allait servir donc de centre commercial. Il a déclaré que j'ai investi toutes mes économies dans ce projet. Les fonds se sont épuisés et le travail n'était pas terminé. J'avais un appartement, dit-il, et j'ai pensé à le vendre pour investir l'argent et terminer le travail. Mais je n'arrivais plus à trouver d'acheteur pour l'appartement. C'était une situation vraiment désespérée. L'argent qui restait s'épuisait. J'implorais Allah en lui demandant de bénir mes affaires et de compléter la somme. Par la suite, Allah m'a envoyé un client qui a acheté mon appartement. Et j'ai utilisé l'argent de la vente de l'appartement pour poursuivre la construction de l'immeuble. L'appartement était donc vendu. Le problème était de trouver une nouvelle maison dans laquelle vivre. Comment allais-je le faire Cependant, cet ange qui a été envoyé par Allah m'a dit ceci. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin d'un logement pour l'instant. Vous pouvez rester ici pendant un an. Ainsi donc, j'ai pu satisfaire mes besoins de logement et finir de construire l'immeuble. Et je crois que tout cela est dû aux bénédictions des sacrifices dans la voie de Dieu. Un responsable de la Jamaat du Kazakhstan relate ceci à propos d'une femme qui est membre de la Lajna Imaïla du Kazakhstan. Une dame nommée Baywa Rosa Saheba, Elle participe à des cotisations du Tarikh -e Jadid et du Bokf -e Jadid régulièrement. Un jour, elle a cotisé pour le Tarikh -e Jadid et le Bokf -e Jadid. Et a fait une demande de doigts pour sa fille. Elle m'a également envoyé une requête de prière. Ces gens ont un attachement très fort du Califat. Nous recevons beaucoup de correspondances de la Russie ou de ses États. Elle a dit que lorsqu'elle a payé la cotisation, le lendemain, sa fille a obtenu un très bon emploi, alors qu'auparavant, ses multiples efforts étaient restés vains. Dieu lui a offert une telle bénédiction et pour renforcer sa foi, il en a fait en sorte que les employeurs eux-mêmes lui ont téléphoné pour l'embaucher en lui offrant des emplois très bien rémunérés. Cette dame a dit, c'était là un miracle pour moi et j'étais surprise de voir comment Dieu le Tout-Puissant m'a béni si vite de sa grâce. La Géorgie est un pays d'Europe. d'où un étudiant en médecine relate ceci. Nous avons eu une rencontre de l'AJMAD. Le président de l'AJMAD a mentionné un étudiant qui a apporté une contribution majeure au fond. Farid Jadid. Cet étudiant a déclaré que moi, je suis Ahmadi de licence et cet étudiant mentionné s'est converti à l'Ahmadiyya il n'y a que quatre ans et il m'a surpassé en matière de sacrifice financier. Je dois également augmenter ma promesse. Il a ajouté qu'il en avait eu honte et il avait décidé d'augmenter sa promesse. Et il a également mentionné que lors de la séance de l'Amila, le président a évoqué l'importance des sacrifices financiers et il avait cité l'exemple du sacrifice généreux d'Abubakar Sadiq Rado Tolanou, notamment qu'il avait tout offert. Cet étudiant a déclaré :« Mon cœur s'est embrasé lorsque j'ai été témoin de cet exemple et j'ai réalisé que je dois accroître ma promesse. » Même si ma situation ne me permettait pas de le faire, je dois consentir à des sacrifices plus importants. Mais la somme que j'ai promise était si importante que je me suis inquiété quant à son paiement. J'ai commencé à conduire un taxi à temps partiel. Durant mes études, je conduisais un taxi et j'ai payé la somme promise. J'ai commencé à apprécier ce travail car je le faisais pour plaire à Allah et je le fais pour offrir des sacrifices dans sa voie et non pour remplir mon estomac. Il y avait des moments où je n'avais pas d'argent pour faire le plein d'essence. J'empruntais de l'argent de mon père pour travailler, ensuite je remboursais ma dette et je faisais mes dons. Ainsi je tenais ma promesse et j'ai finalement contribué la somme promise. Une promesse que je n'espérais jamais pouvoir tenir. Allah a créé les moyens pour faciliter ce paiement. Le président de la Jamaat de Rodgor en Allemagne déclare avoir atteint l'objectif que sa communauté s'était fixé. Ils sont en train de construire des mosquées là-bas. Le guide de la Rouda nous a demandé de collecter davantage d'argent pour la mosquée. Et que nos membres possèdent le potentiel d'offrir généreusement dans les fonds de la communauté. De même, nous devons augmenter le sacrifice pour le Tahrik Jadid. Nous pouvons encore améliorer notre niveau dans ce domaine. Depuis 2019, nous avons commencé à prêter une attention aux sacrifices financiers. Nos contributions financières, qui s'élevaient à quelques milliers d'euros à l'époque, ont atteint plusieurs centaines de milliers d'euros aujourd'hui. Et les gens se sont sacrifiés de gaieté de cœur. Certains ont été tellement émus que certains Wakifi Nzindagi ont déclaré qu'ils allaient offrir leur allocation d'un mois en tant que cotisation. Une personne a déclaré que j'ai eu honte en pensant qu'un Wakifi Nzindagi offrait son allocation tandis que moi je gagne bien plus que lui. Pourquoi ne pourrais-je pas faire un si grand sacrifice C'est ainsi que j'ai offert une somme importante que j'avais reçue à la communauté. L'année suivante, cette personne a augmenté sa promesse, voire il a doublé sa promesse ou plus. Il relate par la grâce d'Allah, j'ai commencé à recevoir de très bons contrats, des contrats très lucratifs, et j'ai eu la possibilité de verser des dons de plusieurs milliers d'euros. Il a versé jusqu'à 40 à cinquante mille euros. Vu que je m'impliquais dans des œuvres caritatives et que je ressentis un élan de sacrifice envers Dieu, j'ai considérablement réduit mes dépenses personnelles et je me suis mis à porter des vêtements très simples et à mener une vie très modeste. Je participais généreusement aux sacrifices financiers. Le secrétaire financier raconte qu'ils étaient surpris parce que son apparence ne correspondait pas au montant de ses dons. Cela m'a ramené à la mémoire une vieille histoire. À Karachi, nous avions un ancien ami, Sheikh Mujib Saheb, qui faisait de grands sacrifices financiers et qui mettait de côté de l'argent pour les dépenses de son foyer, mais versait le reste dans des campagnes de la À l'époque du quatrième calife, il avait fait de grands sacrifices pour la publication du Saint-Coran et pour d'autres campagnes. Et il disait toujours qu'il faisait des affaires que pour la communauté. Dieu a toujours créé et ne cesse de créer des personnes au sein de la communauté qui gagnent de l'argent dans le seul but de subvenir aux besoins de la communauté et non pour accumuler des richesses. Le wakilul mal de Kadian a écrit qu'un homme de Kerala a relaté qu'il traversait une période très difficile et qu'il n'arrivait pas à trouver d'emploi. Finalement, ne voyant pas d'autre solution, il a installé une table sur le trottoir pour vendre des vêtements. Il a également commencé à payer régulièrement ses cotisations. Il calculait soigneusement ses revenus et versait une partie de son bénéfice en cotisations. Par la grâce de Dieu, ses revenus augmentaient considérablement. Il déclare qu'il verse désormais des sommes importantes en cotisations. Son entreprise s'est également développée en deux ou trois ans. Tandis que les entreprises des autres sont touchées par la situation, son activité n'a cessé de profiter de la bénédiction d'Allah et n'a pas été affectée. Ce sont là les bienfaits des sacrifices. Certains disent qu'un tel travaille aussi et que Dieu le bénit dans son travail, tandis que nous, nous travaillons sans connaître les mêmes bénédictions. Si votre intention est bonne, Dieu vous apportera toujours des bienfaits. L'avantage d'un Ahmadi est qu'Allah accepte ses sacrifices et ensuite Allah exauce ses prières et d'autres bénédictions se manifestent également. Cette personne explique qu'Allah le Tout-Puissant a fait prospérer ses affaires en raison des sacrifices réguliers qu'il consent pour la cause de Dieu. La situation économique des autres se détériorait en raison des circonstances, mais cette personne déclare que ses affaires n'ont cessé de prospérer. Et maintenant, il possède plusieurs boutiques. Autrefois, il tenait un modeste étal sur le trottoir où il installait une table. Il possède maintenant plusieurs magasins et un showroom. Par la grâce d'Allah, il fait maintenant des dons de plusieurs centaines de milliers. Cette année-ci, il a également versé un million de roupies au Tahit -e jadid Une femme du Bangladesh écrit ceci Je suis une Wakfena, je fais des dons, j'écoute les sermons. Allah a fait naître la foi en moi et je fais un don sur l'allocation que je reçois. Et Dieu le Tout-Puissant y met tant de bénédictions que cela a dépassé mon imagination. De même, quelqu'un de la Syrie, un certain Ali, relate ceci. Il déclare « Je suis un nouveau converti et j'ai fait une importante et première promesse au Tahrik-e-Jadid en fonction de mes moyens. Et je me suis dit que je vais contribuer cette somme avant le Ramadan. Il travaillait sans contrat, c'était un simple travail de doublage de dessin animé. Il raconte avoir été pris d'inquiétude lorsqu'il se demandait comment il allait pouvoir tenir sa promesse. Il s'était rendu dans le bureau du responsable de l'entreprise et l'a salué. Ce dernier était en train de parler au téléphone et il lui a fait un signe de la main pour lui dire qu'il parlerait plus tard. Monsieur Ali est parti dans la cantine où le directeur financier de l'entreprise l'a rejoint et il lui a demandé de le suivre car le directeur lui avait demandé de lui remettre une somme d'argent. Le bulletin de salaire n'était pas encore prêt, mais le directeur avait évalué son travail et il lui avait donné une somme lui permettant de payer sa cotisation du Tahri -e Et le directeur m'a aussi dit de ne rien dire à personne et que je suis le seul à recevoir cette somme. C'est ainsi qu'Allah, de par sa grâce, aide les gens. Une étudiante de Calgary du Canada a témoigné de la force de sa foi en ces termes. Elle déclare que tout le monde me disait qu'il était très difficile de trouver un emploi pendant les études. J'ai beaucoup prié, j'ai présenté mon nom pour rejoindre les donateurs de premier plan du Tahirik Jadid, des donateurs qui s'engagent à offrir mille dollars ou plus. Elle relate Grâce aux bénédictions de mes contributions, Allah m'a accordé sa faveur. En moins de trois jours, j'ai trouvé un emploi et je n'ai pas perdu aucun semestre et j'ai reçu de l'argent et les gens en étaient surpris. Voici des exemples venus de certains pays pauvres d'Afrique. Le missionnaire de la Guinée-Conakry relate ceci. Le président du Jamat local, M. Abdoulaye Kamara, a déclaré Après avoir accepté l'armadiage et commencé à payer régulièrement des cotisations, cette année, il manquait 40 000 francs dans notre contribution. Le moellim local est venu collecter les fonds et il est reparti avec une note indiquant qu'il y avait ce montant qui manquait. M. Kamara déclare qu'il en était très gêné. Il déclare que je suis rentré chez moi et j'ai cotisé l'argent que j'avais mis de côté pour mes dépenses. Il raconte que le lendemain, Allah lui a rendu l'appareil d'une manière inattendue. Un individu l'a appelé au téléphone et lui a dit ceci. À telle date, je vous avais confié un travail et j'étais parti sans vous payer. Je vous prie de m'en excuser. Maintenant, dites-moi ce que vous souhaitez et ce que vous désirez recevoir. Monsieur Kamara lui a répondu. À l'époque, vous ne m'aviez pas payé, mais après tant d'années, j'ai besoin d'argent pour acheter une moto et pour achever la construction de ma maison. Cette personne m'a immédiatement payé en disant que c'était mon salaire, bien que c'était beaucoup plus que ce qu'il me devait. Dieu le Tout-Puissant m'a récompensé avec un profit beaucoup plus élevé, et je crois que tout cela est un résultat à des contributions que je fais dans la voie de Dieu. Le missionnaire en charge de la Jamaat de la République centrafricaine relate qu'un certain monsieur Issa lui avait dit qu'il avait beaucoup de problèmes dans sa vie et que sa situation familiale était également très mauvaise. Il avait pensé demander un prêt à la Jamaat. Un jour, j'ai entendu un discours sur le Tahdik Jadid et le sacrifice dans la voie de Dieu, notamment que quiconque donne une pièce pour Dieu, Dieu la lui rend multipliée par 10. Je me suis dit, je vais moi aussi tenter cette expérience et j'ai commencé à cotiser à partir de ce jour-là et par la volonté de Dieu, un marchand turc possédant une entreprise de diamants m'a engagé dans son entreprise et ma situation s'est améliorée de jour en jour. Grâce à la bonté de Dieu, j'ai maintenant construit ma maison et j'ai acheté une moto alors qu'auparavant je n'avais pas d'argent pour réparer ma vieille moto. Ces exemples ne viennent pas que des pays pauvres. Partout, les gens qui possèdent une foi forte font ce genre d'expérience. Ceux qui font des sacrifices pour Dieu sincèrement voient ces signes. Dieu, en leur montrant ces signes qu'ils vivent dans des pays pauvres ou dans des pays riches, eh bien, Dieu leur fournit les moyens pour renforcer leur foi grâce à ces signes. Ainsi donc, Dieu renforce la foi de ces gens. Un secrétaire du Tahiré -e jadid aux États-Unis a écrit qu'un jeune de la Jamaat de Dallas recevait de l'argent de ses parents pour ses déjeuners à l'école. Ce jeune s'est dit Dieu m'a accordé une grande faveur, chaque jour je peux manger à l'extérieur et je dois utiliser cet argent à d'autres fins. Après avoir réfléchi, j'ai décidé de participer dans le fonds Tahirik Jadid. Il a donc fait don de cet argent au Tahirik Jadid tout en se nourrissant de céréales et d'autres aliments modestes. Il a dit que Dieu a fait en sorte que ses résultats aux examens étaient très bons et sa vie était plus sereine. De plus, il sentait un apaisement dès qu'il se mettait à manger moins. Il a dit qu'il considère que Dieu renforce la foi de ceux qui le souhaitent. Selon lui, la meilleure décision qu'il a prise dans sa vie a été de consentir à des sacrifices pour la cause de Dieu. Une femme de la Belgique a écrit à propos de son sacrifice. Elle a déclaré qu'elle était à la recherche d'un emploi et qu'elle avait postulé à plusieurs endroits. Les demandes d'emploi étaient refusées car elle n'avait pas d'expérience. On lui répétait qu'elle manquait d'expérience. Elle sentait que la fin de l'année fiscale approchait. Une idée lui est venue à l'esprit. Elle a dit que bien que j'ai tenu ma promesse, je pourrais faire un nouveau sacrifice pour la cause d'Allah. Peut-être qu'Allah me fera grâce et qu'Allah va me débarrasser de mes problèmes. Elle déclare, j'ai ajouté à ma contribution et j'ai offert plus que nécessaire. Quelques jours plus tard, elle a reçu deux offres d'emploi et elle a obtenu ce qu'elle souhaitait vraiment à quelques minutes de chez elle. C'était là un signe de la part de Dieu pour elle. Il existe d'innombrables histoires comme celle-ci. Dieu montre aux gens ses euh, faits pour renforcer leur foi. Et quand les autres en prennent connaissance, cela suscite en eux un esprit de sacrifice. Au sein de la Jamaat, certains font des sacrifices en secret comme Allah l'a ordonné, tout comme Allah déclare à ses Il y a donc ces personnes qui font ces sacrifices en secret et disent que personne ne doit le savoir. Le secrétaire financier ou le missionnaire d'un endroit avait écrit ceci J'ai ouvert la boîte aux lettres qui se trouve devant la mission de la communauté. Et j'ai trouvé dans la boîte une enveloppe contenant 1000 euros. Il était écrit dessus contribution pour le Tahrik Jadid. Et il n'y avait aucun nom ni aucune adresse. Le secrétaire des finances a également écrit qu'une personne avait fait un don de plusieurs milliers et avait demandé de ne pas révéler son nom. Il a dit que vous savez que vous êtes au courant de cela, mais cela suffit. N'annoncez nulle part ailleurs que j'ai fait ce sacrifice. Elle a accordé à la Jamaat de telles personnes qui font des sacrifices et qui ne cessent d'augmenter leurs sacrifices. En Allemagne, certaines personnes ont sacrifié 50 000 euros et ces personnes n'ont jamais laissé savoir qu'ils ont offert une telle somme et s'efforcent de garder leur nom secret. On trouve de tels exemples en Afrique, en Europe et en Amérique. Comme je l'ai dit, grâce à la bénédiction d'Allah, le Tout-Puissant, même en ce monde matériel où les gens tentent d'assouvir leurs désirs personnels, eh bien, Allah, quant à lui, a béni notre communauté avec des individus dévoués, des personnes qui rivalisent entre elles pour se surpasser en sacrifice. Quand le Messie premier l'islam avait lancé le Tahirik Jadid, il avait recommandé d'adopter une vie simple. Comme j'ai montré dans les exemples précédents, en dépit d'une époque où le monde est porté par le spectacle et l'ostentation, et où la quête de reconnaissance et d'attention domine, certaines personnes choisissent de mener une vie simple et de faire des sacrifices en toute discrétion. Nous avons de nombreux exemples de ce genre. Aujourd'hui, j'annonce le début de la nouvelle année du Tahidi Kejadid. J'en ferai l'annonce aujourd'hui. Généralement, cette annonce se fait le premier vendredi du mois de novembre. Étant donné que vendredi dernier était le premier vendredi de ce mois, c'est pourquoi je fais cette annonce aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai aussi évoqué ceux qui ont consenti à des sacrifices. Il s'agit là d'une grande faveur de la part d'Allah. De nos jours, en tant que communauté, la Jamaat Ahmadiyya est la seule communauté au monde dont les membres se conforment au véritable exemple de ceux qui dépensent leurs richesses nuit et jour. Ils font pratiquement des sacrifices jour et nuit, et comme je l'ai dit, cette série de sacrifices se poursuit 24 heures sur 24. La communauté Ahmadiyya s'étend sur tous les continents. Aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya est établie dans 220 pays et partout nous voyons des exemples de personnes qui consentent à des sacrifices. Au moment où je prononce ce sermon, il est nuit quelque part et il est jour ailleurs, mais tout le monde écoute ce sermon et la communauté Ahmadiyya présente ce spectacle d'une communauté unie. C'est donc ce qui distingue à la communauté Ahmadiyya des autres. C'est là le secret, c'est là le sacrifice, c'est là le désir d'obtenir la satisfaction d'Allah qui conduit au progrès de la Jamaat. Et tant que cette situation prévaudra parmi les membres de la Jamaat, inshallah, Allah ne cessera de répandre ses faveurs sur la communauté. La plupart des exemples que j'ai présentés concernent soit des nouveaux convertis, soit des jeunes. Allah ne cessera de faire naître cet esprit parmi les gens d'aujourd'hui. Nous devons toujours nous rappeler que notre époque est celle du Messie premier. C'est l'époque de la propagation, de la direction, c'est l'époque de l'accomplissement de cette diffusion, une époque de la propagation des enseignements de l'islam dans le monde. C'est pourquoi le Saint-Prophète Mohammed nous a informés à propos de l'avènement du Messie de sa communauté. Allah a créé la communauté du Messie premier à notre époque pour diffuser l'enseignement apporté par le Saint-Prophète Mohammed et pour parachever la mission que Dieu avait ordonnée par son entremise. Ainsi donc, si nous allons œuvrer en ce sens afin d'obtenir. L'agrément d'Allah, Dieu lui-même va subvenir à nos besoins. Nous pourrons alors passer notre vie sans aucune crainte, sans aucune peine. Allah va nous délivrer de toute crainte. Allah va nous libérer de toute tristesse. Allah va nous soulager de nos difficultés. Il répondra à nos besoins. Et c'est ce que tout Ahmadi doit s'efforcer d'obtenir, notamment tenter de satisfaire Allah. À la lumière des exemples donnés, les Ahmadis qui comprennent cela voient les bénédictions et la grâce d'Allah pleuvoir sur eux. Tous ceux qui font des sacrifices tirent profit des bénédictions du travail de la diffusion du message de l'islam. Partout où les gens embrassent l'Ahmadiyya ou où de l'argent est dépensé pour la littérature de la djabat, pour la prédication ou pour les jamiat toutes ces dépenses incluent ces contributeurs dans la récompense et Allah, le Tout-Puissant, ne cesse de leur accorder ses bénédictions. Je vais maintenant présenter quelques faits et les chiffres sur le Tahrik Jadid. Comme cela se fait chaque année, cela va clarifier la situation. Et je terminerai par une citation du Messie premier -salam. par la grâce d'Allah. La 90e année du Tahrik Jadid s'achève et nous entrons dans la 91e année. En ce qui concerne les années du tahrik Jadid, il convient de préciser que pour le daftar awal, c'est la 91e année qui va débuter. Pour le deuxième daftar, c'est la 81e année. Pour le troisième daftar, c'est la 60e année. Pour le quatrième daftar, c'est la 40e année. Et pour le cinquième daftar, c'est la 21e année. Un nouveau daftar est initié tous les 19 ans et le sixième daftar a été lancé l'année dernière. À présent, tous les nouveaux fidèles qui vont se joindre au Tahrik Jadid seront comptés dans le sixième daftar qui avait été lancé l'année dernière. Par la grâce d'Allah, la Jamaat Ahmadiyya a eu le privilège de faire un sacrifice financier de 17,98 millions de livres sterling dans le cadre du Tahrik Jadid. Il s'agit d'un montant supérieur de 779 000 sterling par rapport à l'année dernière. La de l'Allemagne est en première place cette année. -ci. La mère sable de l'Allemagne s'inquiétait toujours ou s'inquiète toujours que l'augmentation des contributions dans le fonds Tahrik Jadid pourrait affecter les collectes dans les autres fonds. Il doit avoir confiance en Dieu. Dieu bénira les autres fonds en raison du Tahrik Jadid, si Dieu le souhaite. Kala ne cesse de faire progresser l'engagement et la fidélité de la Jamaat Ahmadiyya de l'Allemagne. Malgré les fluctuations monétaires, les contributions des Jamaat ont globalement connu une augmentation. Le Canada et les États-Unis sont aussi en compétition conformément au principe de Fastabikul khairat L'année dernière, le Canada avait réalisé une avancée notable et avait obtenu la troisième place. Cette année-ci, les États-Unis sont en troisième position, tandis que le Royaume-Uni est à la deuxième place. Il y a une légère différence entre les deux. Avec un petit effort, les Canadiens pourraient encore remonter. En tout cas, la situation globale est que l'Allemagne est à la première place, le Royaume-Uni à la deuxième place, ensuite viennent les États-Unis à la troisième place et le Canada à la quatrième place. Ensuite, il y a une Jamat du Moyen-Orient à la 5e et l'Inde à la sixième place, l'Australie à la 7e place, l'Indonésie, ensuite une autre du Moyen-Orient et le Ghana à la 10e place. Dans les devises locales, le montant du don par habitant a également connu une forte hausse par la grâce d'Allah. En ce qui concerne les contributions par personne, les États-Unis sont à la première place. Vient ensuite la Suisse à la deuxième et le Royaume-Uni à la troisième place et le Canada à la quatrième et l'Australie à la cinquième place. Certaines Jamats se distinguent par leurs performances, dont le Bangladesh, le Nigeria, les Pays-Bas, l'Autriche, la France, la Suisse, l'Irlande ainsi que les Jamats du Moyen-Orient. Le Bangladesh est dans une situation très défavorable à la fois au niveau national, communautaire et politique. De plus, certains Ahmadis sont à nouveau arrêtés et poursuivis sans raison sous prétexte qu'ils soutenaient le gouvernement précédent, ce qui est tout à fait faux. Les opposants ont également brûlé les maisons des Ahmadis. Certaines maisons ont été brûlées deux fois cette année-ci. Ils ont également été battus, mais leur foi n'en a été que renforcée. Qu'Allah améliore leur situation et qu'Allah accroît leur sincérité, leur foi et leur loyauté. Continuez à prier pour le Bangladesh. Au niveau des récoltes pour les pays africains, le Ghana occupe la première place, suivi par l'île Maurice. Ensuite vient le Burkina Faso, le Nigeria, la Tanzanie, le Bénin, la Gambie. Le Liberia, la Sierra Leone et l'Ouganda. Ce sont là les dix premières diabates de l'Afrique. Le nombre total de contributeurs est d'un million six cent quatre-vingt-un mille. Beaucoup de rapports ne sont pas encore disponibles. Il manque des rapports concernant certaines régions du Burkina Faso. La situation là-bas est difficile et il y a manque de communication, mais le nombre total de contributeurs a augmenté de plus de 50 000 par rapport à l'année dernière. Les pays les plus touchés par cette augmentation sont le Nigeria, le Congo-Brazzaville, le Niger, la Gambie, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Guinée, la Guinée-Bissau, l'Ouganda et la Sierra Leone. Les dix premières jammades de l'Allemagne sont les suivantes. Il y a Rodgau, Rodermark, Osnabrück, Pinneberg, Nida, Cologne et Mehdiabad, Freischheim, Neuss et Weingarten. Les premières villes de l'Allemagne sont Hambourg, Francfort, Deschenbach, Großgrau, Wiesbaden. Morfelden, Waldorf, Ristadt, Welsheim, Darmstadt et Mannheim. Les cinq premières régions du Royaume-Uni sont Islamabad à la première place, suivie de beitou le Midlands et Beitou-le-Hassan. Le classement des dix plus grandes jammades sont Worcester Park à la première place, suivie de Farnam, ensuite vient Islamabad. South Team, Walsall, Gillingham, Bradford North, Ewell et Aldershot South. Le classement des jammats des États-Unis est comme suit. Il y a le Maryland, Virginie du Nord, Los Angeles, Seattle, Chicago, Detroit, Caroline du Sud, Dallas, Silicon Valley, Oshkosh, North Jersey, Houston et Central Jersey. Le classement des Émirats locaux du Canada dans la collecte globale est comme suit. Il y a en tête de Vaughan, ensuite vient Calgary, ensuite vient Peace Village, Brampton West, Vancouver, Toronto West, Brampton East et Toronto. J'ai mentionné les Émirats notables et j'évoque à présent les premières diamantes. Du Canada, dont le classement est comme suit. Il y a Hamilton Mountain, Hamilton West, Hadika Ahmed, Hamilton, Bradford East, Ottawa West, Ottawa Est, Montréal West, Regina, Montréal Est, Markham, Lloydminster et Sudbury. Au Pakistan, Lahore occupe la première place en termes de recettes générales, suivi par Rabwa. Ensuite vient Karachi en troisième position. Malgré les conditions très défavorables, nous voyons que le progrès là-bas. Les Jamaats consentent à des sacrifices malgré le fait que l'opposition soit à son comble, les entreprises des gens sont touchées, les emplois sont touchés, mais la force de la foi est telle que les sacrifices ne cessent d'augmenter. Beaucoup de gens qui gagnaient bien leur vie ont déménagé ailleurs et sont partis à l'extérieur, mais ils ont quand même fait beaucoup de sacrifices, et ils ont consenti à de très grands sacrifices la protège la Jamaat du mal des opposants et la accorde sa protection à cette Jamaat. Voici le classement des provinces du Pakistan où les Jamaats ont fait le plus de sacrifices. La liste de ces provinces est comme suit. Il y a en tête de liste Faisalabad, Gujarat, Gujarawala, Sargodha, Umarkot, Hyderabad, Sialkot, Hafizabad, Kotli, Azad, Kashmir et Khushab. Les djamas des villes du Pakistan ayant collecté le plus de fonds pour les sacrifices sont Daruzikar, Lahore, Alama Iqbal Town, Lahore, Betul Fazal, Faisalabad, Azizabad, Karachi, Mughalpura, Lahore, Gujrawala Ville, Quetta, Rahim Yar Khan, Karim Nagar, Faisalabad. Le classement des petits diamants est comme suit. Il y a Kokor Harbi, Kote Sharifabad, Chunda, Sangar, Badin, Badi, Pandibagu, Darul Fazal Kunji, Khaipur et Chakwala. Le classement des dix plus grands diamants de l'Inde est comme suit. Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Karnataka, Jammu et Kashmir, Punjab, Bengal, Maharashtra et Delhi. Le classement des dix premières Jamad de l'Inde est comme suit. Il y a Hyderabad, Kadian, Calicut, Kambipur, Manjeri, Malapalayalam, Mangalore, Calcutta, Kerang et Karolai. Le classement des Jammats de l'Australie est comme suit. Il y a Melbourne-Longwarren, Marsden, Melbourne-Berwick, Perth, Penrith, Adelaide-Ouest, Melbourne-Clyde, Melbourne East, Camp Beltown et Canberra. Que Dieu accepte les sacrifices de toutes ces personnes qui ont consenti à des sacrifices pour sa cause. Le Messie Premier Islam déclare l'achenda ou les contributions financières n'est pas quelque chose qui a débuté avec cette communauté. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui a initié le système de contributions financières. Même à l'époque des prophètes, des contributions financières étaient collectées en temps de besoin. Il fut un temps où une simple indication de faire des contributions financières suffisait pour que les gens présentent toute leur richesse. Le saint prophète Pisosha lui avait déclaré qu'il fallait offrir selon ses capacités. Et son intention était d'observer combien chaque personne allait apporter. Abou Bakr a présenté tous ses biens tandis que Omar n'a apporté que la moitié de ses biens. Le Saint-Prophète Mohammed lui a déclaré C'est là la différence dans vos rangs. Le Messie premier l'islam ajoute Les compagnons du Saint-Prophète Mohammed ont reçu l'enseignement dès le début que l'antana lul hatta tunfikou c'est-à-dire que jamais vous n'atteindrez la droiture à moins que vous ne dépensez de ce que vous aimez. Ce verset souligne et se réfère à l'offre de contributions financières et à la dépense dans la voie de Dieu. Il s'agit d'un pacte conclu avec Allah le Tout-Puissant que l'on doit remplir. Rompre ce pacte équivaut à la trahison. Ensuite, à un endroit, le Messie promet et déclare Rien ne peut être accompli par un individu. Il y a des bénédictions dans de l'assistance collective. Les grands empires finissent par fonctionner grâce à des contributions. La seule différence est que les empires mondains imposent des taxes de force et les collectent, tandis que dans notre cas, nous laissons cela à la volonté et à l'intention de chacun. Offrir des contributions financières conduit à une augmentation de la foi et c'est un acte d'amour et de sincérité. Le Messie Promet les salams a donné de bonnes nouvelles à saint en disant Réjouissez-vous car le champ de l'obtention de la proximité d'Allah est vacant. Chaque nation est amoureuse de ce monde et le monde ne prête aucune attention à ce qui plaît à Dieu. Pour ceux qui souhaitent entrer par cette porte avec force, il y a cette opportunité de démontrer la capacité et de gagner la faveur spéciale d'Allah. Ne pensez pas que Dieu vous laissera partir à la perdition. Vous êtes une semence qui a été semée en terre par la main de Dieu. Dieu le Tout-Puissant a dit que cette semence poussera et fleurira et ses branches se répandront dans toutes les directions, devenant un grand arbre. Ainsi béni est celui qui croit en la parole de Dieu et ne craint pas les épreuves qui peuvent venir en cours de route. Par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, les gens ont compris cela et ne cessent de consentir à des sacrifices méritant ainsi ses bénédictions. Qu'Allah, l'exalté, nous permet d'exceller dans nos sacrifices selon les souhaits du Messie Premier des Salaam. Parallèlement à nos sacrifices financiers, nous devons également nous efforcer de nous améliorer spirituellement et renforcer notre lien avec Allah. Non seulement dans les sacrifices financiers, mais dans toute situation, nous devons présenter cet exemple pratique qui est le reflet d'un véritable musulman. Quand il en sera ainsi, nous verrons, si Dieu le souhaite, le progrès de jamaat. Et nous cesserons de voir des succès encore plus grands qu'auparavant, si Dieu le souhaite. Par la grâce d'Allah, nous cesserons de voir les bénédictions d'Allah de, de Tout-Puissant et de voir l'échec de l'ennemi. Qu'Allah fasse que ce jour vienne bientôt. Qu'Allah récompense tous ceux qui ont consenti à ces sacrifices financiers, qu'ils bénissent leur bien et leur âme et qu'ils puissent vivre dans des conditions de plus en plus meilleures qu'Allah leur gratifie de la joie des yeux en leurs enfants et en leurs descendants et qu'ils puissent s'approcher sans cesse de là le Très-Haut. Qu'il en soit ainsi. Après la prière, j'officierai les prières funéraires de deux personnes. Celle d'Amina Chakmak Sahi, l'épouse de Feu Sahi, dont la dépouille est présente. Amina Chakmak Sahi est d'origine turque et elle est décédée ces derniers jours à l'âge de 73 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, elle était moussia. Elle était originaire d'Istanbul en Turquie. Elle avait embrassé l'Ahmadiyya par l'entremise de Jalal shamsad qui étudiait en Turquie à l'époque. La défunte avait une foi complète en la véracité du Messie, et c'est pour cette raison qu'elle a accepté l'Ahmadiyya. Elle était une femme pieuse. Elle a même écrit qu'elle était la première Ahmadi d'Istanbul à son époque. Elle avait commencé à correspondre avec Feu le quatrième calife et sa foi et sa loyauté n'ont cessé de croître. Lorsque les programmes de la MTA ont été lancés, elle a saisi l'opportunité pour informer sa mère de son acceptation de l'Ahmadiyya et l'a invitée à rejoindre la communauté. Sa mère a également embrassé l'Ahmadiyya. Ensuite, elle a invité sa sœur, Samaha Saheba, l'épouse de Mehmet Undel Saheb. Elle a également prêté le serment d'allégeance et, par la grâce d'Allah, l'Ahmadiyya s'est répandue dans sa famille. La défunte avait fait sa en 1990 et elle est devenue ainsi la première femme turque qui en a fait partie. Plus tard, le quatrième calife l'a nommée présidente de la Lejna Imaïla de la Turquie. Elle a donc eu l'honneur de servir en tant que la première Sadar Lejna Imaïla de la Turquie. En suivant la MTA, elle avait souhaité traduire des émissions de la chaîne MTA et elle a exprimé cette intention et en 1995, sa sainteté le quatrième calife l'a fait venir au Royaume-Uni et lui a confié cette tâche. Elle a donc commencé à traduire les émissions en langue turque. Et en 1996, elle a dédié sa vie pour servir à la communauté. Elle est donc la première femme d'origine turque à consacrer sa vie à servir l'islam et l'ahmadiyya. On a retrouvé dans un de ses écrits, dans lequel elle a déclaré qu'elle s'était engagée à servir l'islam et l'ahmadiyya jusqu'à son dernier souffle. Et c'est une promesse qu'elle a respectée jusqu'au bout par la grâce d'Allah et ce jusqu'à son dernier jour. Feu le quatrième calife, Hazrat Mizatahi Tahir Ahmad avait marié Amina Sahiba à Mubarak Sahih Sahib, l'un de ses gardes rapprochés, après le décès de la première épouse de Mubarak Sahib. Et la défunte a également rempli son rôle dans cette union avec Brio et elle a pris soin des enfants de son mari. Elle a traduit le Saint-Coran en langue turque, ainsi que d'autres ouvrages de la communauté, ainsi que les sermons des califs. Son beau-frère Mehmet seb lui rend hommage en ces termes. Il déclare « Elle était une femme extrêmement généreuse, dont la connaissance, la joie de vivre et la spiritualité étaient particulièrement remarquables ». Elle était très dévouée à l'islam et à l'Ahmadiyya et dépensait tout son argent pour la communauté. Pendant son séjour à Istanbul avec sa mère, elle a utilisé sa maison pour les programmes de la communauté. Après le décès de sa mère, cette maison a été utilisée comme mosquée et elle a offert cette maison à la communauté. Elle accomplissait régulièrement les prières de Tahajjud et lisait le Saint-Coran à l'aube. Bien qu'elle était en mauvaise santé, elle a tenu son engagement jusqu'à son dernier souffle. Et elle disait toujours que j'ai accepté le Messie premier à l'Islam, l'imam Al-Mahdi, très tardivement. C'est pourquoi je n'ai pas de temps à perdre et nous devons travailler très fort. Elle était toujours loyale envers le califat et elle disait qu'il ne faut pas ennuyer le calife de l'époque avec ses problèmes personnels, mais tenter de les résoudre par soi-même. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah élève son rang. Le deuxième défunt, dont la dépouille est absente, est Mahmoud Ahmad Ayaz Saheb de la Norvège, le frère aîné de Khadja Masoud Saheb, le Nazir Ishad de Rabwa. Il est décédé récemment, Inna Dillahi wa Inna Ilayhi rajou. Le défunt était un Moussi. Il laisse dans le deuil son épouse et son fils. Il a eu le privilège de servir la communauté en diverses capacités. Il a servi en tant que secrétaire aux affaires externes de la GEMAT en Norvège pendant une longue période. À plusieurs reprises, il a eu l'honneur de servir en tant qu'émir suppléant de la GEMAT de la Norvège et il a eu l'honneur de se dédier à Rabois. Ensuite, le quatrième calife l'a envoyé en Norvège pour y servir, étant donné à la situation dans le pays. Il avait une bonne maîtrise de la littérature de la Jamaat lors de ses premières années de collège. Outre les autres ouvrages, il avait lu entièrement le Tafsir Kabir. Il avait lu le Tafsir Kabir durant sa jeunesse. Il lisait régulièrement les livres religieux, les journaux et les bulletins de la communauté. Il nourrissait une grande dévotion et un grand amour pour le califat. C'était quelqu'un de simple, au cœur tendre et fidèle. Il paye ses cotisations à temps et selon les taux. Il s'est joint au système dal alors qu'il était étudiant. Il était attaché aux jeunes et à la prière. Il accomplissait les prières facultatives et s'acquittait de ses devoirs envers Allah et envers ses créatures. Il était humble et modeste. La dignité et le sérieux étaient ses traits distinctifs. Son apparence et son intérieur étaient purs et propres. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde, je dirigerai sa prière funéraire avec celle de la défunte qui est présente. Alhamdulillah, alhamdulillah, ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتاع ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم